D'être là cet après-midi. L'association Culture et Tradition de Courcelles-et-Lens, créée en 1977, est heureuse de vous accueillir pour vous présenter son spectacle, et notamment son ensemble de chants et de danse folklorique, Kalina, ainsi que l'ensemble, le petit groupe des enfants qui s'appelle Malina. Monsieur, bonjour. Bonjour. Donc, nous allons vous présenter une suite de chants et de danses. Nous allons faire un petit tour en Pologne, dans les régions de Opoczno, les pêcheurs de Kaszubi, dans les montagnes, à Spisz, à Cracovie, avec le magnifique Cracoviak. En seconde partie, nous vous présenterons la variation en sol mineur. C'est une surprise. Puis les danses de Przeworsk, au sud-est de la Pologne, et nous terminerons par les faubourgs de Varsovie. Alors, j'accueille Serge, le président de cette association qui nous accueille. Vous avez quelques mots à nous dire ? Bonjour, je ne suis pas très habitué. Bonjour tout d'abord à tout le monde, et tous ceux qui sont là, et assez nombreux. Et tout simplement, pour vous accueillir, vous dire que tout va très bien se passer. J'ai vu deux fois le spectacle. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs, parce que c'est vraiment formidable. Et une première partie, une deuxième partie spéciale, que j'adore moi-même, c'est tout ce que j'avais à dire pour les médias. Après, donc, il y aura les plats de sec qui ont été faits ce matin dans la salle Jean Ferrat, dans la cuisine de Jean Ferrat, et d'autres petites bricoles qui sont là-bas à votre disposition. Il y a monsieur le maire qui est là, mais je ne vois rien du tout, c'est la première fois que je vais. Il est caché. Il est où ? Je ne vous vois pas, en fait. Ah, il est là. La scène, c'est tout un art, hein, monsieur. Je vais apprendre, je vais m'entraîner. Et voilà, donc ça va être maintenant. Bah, bonjour à tous. Vous avez l'air en forme, hein. Bon, merci à toi, Serge, pour avoir organisé cette semaine d'exposition. Il faut le dire. Alors, Serge, qui est président de l'association des enfants de l'immigration polonaise, et copons s'ouvre au monde. Alors pour les éco-pontois, vous savez peut-être qu'on vient de jumeler la ville avec une ville espagnole. Alors on me dit souvent, mais pourquoi t'as fait une ville espagnole alors que t'as un nom polonais ? Alors j'y attendais une chose à la fois. On a un projet, mais on va pas le dire maintenant. Hein. Mais il se pourrait bien que demain aussi, il y ait une ville polonaise qui soit jumelle des copons. Voilà, en tout cas, merci à vous. Ça sera l'occasion de vous inviter également, voilà, c'est ça. Bon, par contre, il faut que j'apprenne un peu de polonais. J'ai toujours, je ne parle pas polonais, mais je bois polonais. Donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci à toi, Serge. Merci à vous, je pense que ça va être un très beau spectacle. La salle est pas mal pleine quand même pour un samedi après-midi. Habituellement, les gens font leurs courses le samedi après-midi chez Auchanski, voilà. Donc là, merci à vous d'être là. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis je te repasse peut-être la parole au monsieur. Voilà, merci à tous.
Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Voici Malina et Kalina. Thank you.
oui. Sans la coupe. Sans la coupe. Certains n'avaient pour ce voyage qu'une vieille valise pour tout bagage. Ils ont laissé leur cœur meurtri, tous leurs parents, tous leurs amis, et leurs vallées et leurs campagnes.